Salut à tous nos amis bouchers, charcutiers, traiteurs. Salut Eric. Bonjour à tous. Salut William. Tout va bien? Ouais, parfait. Et aujourd'hui, on va faire une recette, moi, que j'affectionne particulièrement, celle-là. On peut dire qu'elle est parmi nos préférées. Voilà, elle est très riche en plus. Donc, voilà, donc on va faire un cœur fondant auvergnat. Auvergnat parce qu'on va utiliser du bleu, on va utiliser du chou. Donc pour cela, du porc haché à la grille numéro 3, fine, impératif. Notre buffalo campagnard à raison de 80 g par kilo, dilué dans 150 g d'eau. Donc pour avoir un bon mélange bien homogène, on va faire cette préparation et ensuite le montage de nos cœurs fondants. Allez, on s'y met, à tout de suite. Et ben alors, donc on a défourné nos cœurs fondants auvergnats, sachant qu'on les a laissés 20-25 minutes en fonction de la taille, hein, à 180 degrés. On retrouve bien le fromage à l'intérieur qui a fondu, et puis on va déguster tout ça. Donc on a notre chou qui est bien croustillant en surface, hein, autour, donc c'est vraiment très joli, et ça sent très 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 bon. Donc ouais, c'est super avec le cœur fondant. C'est juste très très joli. Hein. Donc vous avez votre fromage qui est fondu mais qui se tient au milieu. Et puis on va goûter. Ouais, le mariage du chou, du bleu, du buffalo campagnard un peu fumé avec la poitrine de la retour. C'est ça. Ouais, ouais. Excellente recette. Ouais, ça vous pouvez y aller. Hein. Les amis, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit like. Et puis on se retrouve pour la prochaine recette ensemble. Voilà, et bien, bientôt. N'hésitez pas, faites vite vos préparations et on passera avec William vous voir, vous saluer et goûter avec vous si vous voulez. Allez, à très bientôt. Au revoir.